Bonjour et bienvenue à tous sur ma chaîne Maxikai TV. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci c'est une vidéo très particulière étant donné que je vais troll un ami. Je vais l'inviter à la maison et lui faire croire qu'on va faire une dégustation, une vidéo YouTube dégustation où il va déguster des trucs chinois, américains, etc. Pour lui il s'attend vraiment à voir des trucs je mange des chips américaines, du cheddar, etc. Et là moi je vais le pranker en lui faisant croire qu'il mange un œuf pourri. Pour faire cet œuf pourri il y a une petite recette. Cette recette elle est très simple. Mais avant cela je t'invite à cliquer sur s'abonner, la cloche des notifications et le petit pouce qui fait plaisir. Et c'est parti. Maintenant, passons à la réalisation de ces œufs pourris. C'est très très simple. En premier temps, je vais prendre mon shooter, dans lequel, sans me tâcher, je vais verser 5 petites gouttes de colorant rouge. Ok, on est pas mal. Ensuite, on continue avec le colorant bleu, où je mets 5 gouttes pareil. On est pas mal du tout là. Et pour finir, pour donner cet aspect un petit peu noir vert à mon œuf, je me suis mis du bleu. Soyons bien attentifs car le grand Schtroumpf va parler. Je me suis mis du bleu sur le doigt, mon pote. Du coup, pour donner cet aspect un petit peu noir vert à l'œuf, comme s'il était pourri, il me faudra aussi du jaune. Du jaune où je vais mettre la même quantité, donc du coup 5 gouttes, on est pas mal. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger un petit peu cette petite substance verte et noire. Alors, je sais pas si on voit bien, mais là, on est sur un noir un peu vert. Ah, un peu comme si l'œuf était pourri, quoi. Maintenant, je vais prendre ma seringue et récupérer justement cette substance bizarre. Hop. Je suis en train d'en mettre de partout. Avant de faire comme dans les experts et mon tête à pipette d'en foutre de partout, moi je te conseille de prendre un petit mouchoir parce que moi j'en ai foutu de partout déjà. Voilà, comme ça tu fais pas la même bêtise que moi. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vider l'air pour n'avoir que le colorant. Et je vais mettre ça de côté. Maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais prendre un œuf, planter le dessus pour faire un petit trou. Comme ceci, mon pote. Une fois que tu as fait ça, tu prends ta seringue, tu plantes ça dans l'œuf et tu mets une petite dose de substance noire. Tu fais ça, bien évidemment, avec tous les œufs, si tu en fais plusieurs. Bien évidemment, moi, j'en ai fait un deuxième pour faire genre comme si je dégustais avec lui. Alors moi, je vais savoir que c'est un œuf à la sauce soja, juste avec du colorant noir. Mais lui, il ne sait pas. Et le simple fait de laisser l'œuf macérer dans une sauce soja, il va avoir une odeur désagréable. Oui, justement, ça va être une odeur de d'œuf pourri, justement. Donc là, je vais continuer, histoire de l'accompagner et de ne pas le laisser seul dans cette dégustation. Une fois que vous avez fait ça, maintenant il reste plus qu'à laisser cuire les œufs dans de l'eau bouillante à peu près 5-6 minutes histoire que l'œuf au centre soit encore un petit peu coulant, tu vois, un truc qui soit vraiment pépite quoi. Allez, c'est parti, let's go. Du coup, nous avons notre invité mystère aujourd'hui qui est présent, qui est Ibrazoulette, qui va venir faire notre dégustation avec nous. On va faire une petite dégustation surprise. Alors, il sait pas encore. Il est venu aujourd'hui pour découvrir un petit peu des boissons, etc. Mais il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt justement à faire cette dégustation. Lui-même ne sait pas. Vous savez. Lui ne sait pas. Vous savez. Lui ne sait pas. Mais vous savez. Est-ce que lui, il sait? Non, je le sais pas. Ah bah ouais, mais vous savez. Mais lui, il est pas, il sait pas. Non. Voilà, mais vous savez. Bien évidemment, avant de continuer, je t'invite à cliquer sur s'abonner, la cloche des notifications et le petit pouce bleu, ton meilleur pouce bleu, bien sûr. On n'oublie pas le petit commentaire, tu partages, ça fait plaisir, 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 du gars, t'es un plaisir, 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 plaisir. Du coup, on va continuer la vidéo. Ok. Donc, du coup, là, on a préparé une petite recette dont il n'est pas prêt. Ça fait maintenant 24 heures que cette recette est prête. Ah, effectivement. 24 heures. Et là, les gars, est-ce qu'on lui fait découvrir un roulement de tambour? Est-ce que tu es prêt? Ouais, je fais le roulement de tambour. Alors, moi, ce que je te propose, c'est que tu te retournes, tu regardes ma caméra qui est là-bas et tu attends. Ah, en fait, j'ai oublié. Hein. N'hésitez pas à mettre la cloche pour avoir toutes les dernières informations de sa chaîne. J'ai pris, bien évidemment, des petits couverts pour pouvoir déguster cela. Je vais pouvoir vous montrer en caméra, ça sera plus facile. Voilà. Ça, c'est ce que nous allons déguster ensemble. Ça a l'air d'être pas mal quand même, hein. Voilà, ça, c'est ce que nous allons déguster ensemble. La petite préparation, je l'ai mis juste ici pour qu'au moment où il se retourne, il puisse découvrir ce qu'il y a dedans. C'est parti. Retourne-toi. T'es prêt? Allez, ouvre les yeux. C'est quoi? Non, vois, c'est genre d'œuf. Non, c'est pas les œufs de 100 ans là? Ouais, c'est ça, c'est un œuf pourri. C'est un œuf pourri, mon pote. Là, tu vas te régaler comme Jaja. Et en plus, il y a une petite texture bien molle là. On sent que là, tu vois, là il a envie de germer le bordel. Là, tu sens qu'il y a un petit poussin qui est en train de naître dedans. Allez, moi, ce que je propose. On coupe en deux. Ah oui, on coupe en deux. J'ai vu ça dans le Koh-Lanta, mais je voulais pas faire ça ici. Allez, c'est parti. Est-ce que tu préfères pas prendre une cuillère? Ah, j'ai trouvé mieux. Alors bien évidemment, comme d'habitude, comme chaque dégustation qu'on fait depuis la vidéo, nous avons notre fameux saladier qui nous permet justement, au cas où il y ait quelqu'un qui vomit. Ah là, ça va être voilà. Le cas là, à mon donc, avis du là. Du coup, si vous voulez, là, c'est ça qu'on va déguster. Je vais tomber. Moi, je vais l'ouvrir en deux. Non.
Je vais l'ouvrir en deux pour voir un petit peu. Tu vas manger lui-même. Hein? Tu vas manger? Ah bah là on fait moite moite. On va voir un petit peu comment ça se passe à l'intérieur. Oh mais ça va, c'est plutôt pas mal à l'intérieur, regarde. Je pensais ça vraiment plus horrible hein, à l'intérieur. Bah c'est jaune, ce qui a rien de screen de ce qui a plus, jaune, plus normal. Droit, blanc. Bon il y a ça bien évidemment, c'est normal, c'est le jaune. Toutes les couleurs, ouais. En vrai, ça sent pas mauvais, tu vois. Je pensais vraiment que ça allait sentir mauvais. Mais en vrai, ça sent pas mauvais. Vas-y, prends-en un des deux. Comme ça, tu juges toi-même qui est le plus petit ou le plus gros, ok? Je vais prendre le plus gros parce que j'ai porté mes... Des balls. Yes. Tu vas porter des œufs. Mes rolls. En vrai, attention, hein. Tu peux. On a fait des vidéos juste avant où on se disait, ça, ça va être une dinguerie, ça sera ouais. Super bon. C'était dégueulasse. Après, on a vu des vidéos, enfin, on a fait des vidéos où on s'est dit, ça, ça va être super bon. C'était dégueulasse. En fait, c'est bon. En fait, au finalité, c'est dégueulasse. Ça, c'est dégueulasse. Et au finalité, c'est bon. Donc ça, ça paraît dégueulasse, mais est-ce que ça peut être bon? Ça va le rester. Allez, à toi l'honneur. Je veux bien montrer un petit peu cette bouchée que tu vas nous donner là. Montre, approche-toi un petit peu de la caméra, montre-leur un petit peu là ce que tu vas manger. Bon appétit pour ceux qui mangent, hein, franchement. Voilà, un petit œuf là, un petit œuf bien pourri là. Allez go, t'es prêt? Tu veux que je t'amène ça à ta bouche? Je peux te dire quelque chose? Vas-y. Au départ je croyais que c'était un œuf, des œufs de poisson. Tu sais les gros œufs de poisson qui... Ah non, c'est pas un œuf de poisson. J'ai cru, hein, vraiment, ah ouais. Non, c'est pas ça. Allez, vas-y, mets ça dans ta bouche. Attends, je vais goûter. Franchement, je vais goûter. C'est trop bon. Allez, va jusqu'au bout. Oh non. Non. Merde, pardon. Non. Regardez-moi ça. Je suis désolé. Elle a dégommé sa table. La table, elle est éclatée. Je suis désolé. En vrai, c'est un peu fort quand même. C'est fort salé. Vraiment, je comprends le côté écœurant. Mais c'est quand même très très salé. Hein. Je suis désolé. En fait, pour t'expliquer la finalité de ce que c'est simplement du colorant alimentaire que j'ai mis dans un œuf, que j'ai fait cuire, et je l'ai fait tremper dans de la sauce soja. Ce qui explique le côté salé, et en fait le problème, c'est que le salé prend trop le dessus. Ah ouais, là c'est... Et l'œuf n'étant pas totalement cuit, parce que je voulais vraiment avoir ce petit côté coulant, alors je suis un peu déçu en soi, parce que je pensais que ça allait avoir un petit peu noir dans le cœur coulant, et j'aurais dû mettre justement le colorant plus profond dans la seringue. Mais en soi, c'était vraiment pas mal, j'espère que vous avez kiffé. Moi, sur ce, eh bien, je vais partir faire d'autres vidéos avec Ibrazoulette, n'est-ce pas? Absolument. Avec des vidéos ex. Exceptionnelles. Ex. Extra. Ex. Extrait. Et expérience. Ah. Du coup, là, on va faire plein de vidéos. Expérience, dégustation, on va continuer comme ça. J'espère que ça vous plaît. En tout cas, moi, je vous fais de gros bisous. Merci beaucoup. Et je vous dis go à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Mouah, ciao. Hasta luego.